Чики-брики, пальчик выки. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année Chikibriki. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le nouveau système de hitbox et d'armure qui vient d'arriver avec ce wipe 0.14. Si jamais vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé dans le reste du wipe avec toutes les news, je vous ai sorti une news beaucoup plus complète avec toutes les autres informations que vous allez pouvoir avoir sur les mécaniques, les boss, les cartes et tout. N'hésitez pas bien sûr à aller la voir, elle sera bien sûr comme d'habitude en description. Avant de commencer, sachez aussi que toutes les cartouches avec leurs dégâts de pénétration et leurs dégâts tout simplement de chair ont été changées pour permettre de coller avec ce nouveau système. Cela risque bien sûr de changer encore une fois parce que le jeu est en développement par la suite. Et du coup, bah, simplement pour corriger certains écarts trop importants. C'est vraiment, vraiment incroyable en fait, tout ce nouveau Tarkov en fait qu'on a du coup avec ce wipe, c'est incroyable. On va commencer par les hitbox, hein, avec notamment la hitbox de la tête qui est divisée en zones simples et distinctes qui coïncident du coup avec les zones de protection des casques et des masques de protection tout simplement. Il y a trois zones qui ont été ajoutées du coup sur la tête, l'avant du cou, l'arrière du cou et le visage. Les zones touchées par le thorax et l'estomac sont divisées en avant, arrière et côté. C'est-à-dire que vous n'aurez plus que le thorax et l'estomac, vous aurez thorax avant, thorax arrière, thorax côté et pareil pour l'estomac. La hitbox pelvienne, quant à elle, est divisée en avant ou arrière, et les coups sur cette hitbox pelvienne feront du dommage du coup à l'estomac. Les zones de l'avant-bras ont été réduites en diamètre, hein, c'est-à-dire que bah, vous avez une hitbox beaucoup plus petite au niveau de l'avant-bras, ça c'est cool, ça permettra peut-être de moins tanker des cartouches qui feront lever du coup vos armes en l'air et moins, vous allez moins survivre de manière générale parce que ça va passer du coup directement aux zones mortelles que sont le thorax ou la tête, qui je le rappelle actuellement pouvaient être protégé par le bras qui se mettait devant. Donc ça va être beaucoup plus réaliste et ça va être très sympa à voir. Et ensuite, l'écran de mort, et ben en fait l'écran de mort, il affiche directement les informations beaucoup plus détaillées sur la zone qui a été mortellement blessée. Par exemple, au lieu d'avoir juste thorax, vous avez maintenant thorax au du dos. Vous savez que vous êtes mort de derrière et vous savez sur quelle zone précise vous êtes mort. Ensuite, au niveau des armures, il y a eu 37 nouvelles plaques balistiques qui ont été ajoutées au jeu. 7 pour la section thoracique, 6 pour la section du dos, 20 qui sont des plaques universelles, c'est-à-dire qui peuvent aller et sur le dos et sur l'avant, donc thoracique et dorsale, et 4 plaques balistiques pour les sections latérales. Les plaques balistiques, elles ont leurs propres paramètres spécifiques au blindage, c'est-à-dire elles ont toutes une valeur de résistance, de matériaux, d'absorption des dégâts du blindage, de chance de ricocher et de type de blindage comme léger ou lourd. Les plaques balistiques sont donc divisées en différents formats, en fonction de la taille et du format de la section de blindage tout simplement. Les plaques de blindage ne peuvent pas forcément être insérées ou retirées lorsque vous portez le gilet. Il faudra donc retirer le gilet de votre personnage afin d'effectuer des changements de plaque tout simplement. Ça va être plus long du coup pour faire ces changements en tout cas. L'aspect visuel de la plaque balistique, elle dépend de sa durabilité, c'est-à-dire que plus elle sera basse en dura, plus visuellement elle sera percée ou déformée. Pour ce qui est des spawns, et ben les plaques balistiques elles peuvent spawn un peu partout, c'est-à-dire qu'elles ont leur spawn à elles, et puis elles peuvent aussi spawn à d'autres endroits comme par exemple dans des caisses de loot classiques. Les plaques balistiques, elles sont affectées par les compétences que sont armure lourde et armure légère, en fonction de leur type. Donc voilà, vous avez les bénéfices et les malus de ces deux compétences. Les hitbox ensuite de la plaque balistique correspondent vraiment à ce qu'elle couvre visuellement, hein, généralement sur le corps, en tout cas c'est plutôt cool. Donc voilà, toutes les plaques du même format peuvent être installées dans un emplacement de ce format, il n'y a aucun problème. Il est donc possible en fait de changer la classe de protection de votre gilet pare-balles juste en changeant les plaques de protection, ce qui est très logique, mais ce qu'on n'avait pas avant dans Tarkov. Vous avez de la classe 3 sur vous, vous chopez les mêmes plaques de la même taille, du même format, mais en classe 4, vous mettez de la classe 4 pour mieux vous protéger. D'ailleurs, il y a certains emplacements de plaques hein, qui peuvent être équipés de plaques de formats différents. Par exemple, la partie poitrine d'un porte-plaque Ana Tactical M2 peut être équipée de plaques de format sapier et granit, donc il y a beaucoup plus de personnalisation possible. La protection des gilets pare-balles n'est plus uniforme, en gros elle dépend désormais des zones que le gilet pare-balles protège visuellement. Par exemple, aucun gilet pare-balles actuellement ne protège la zone des aisselles. Oui, c'est une zone. Voilà, vous pouvez tirer sur les flancs, ça pourra passer beaucoup plus tranquillement. J'ai hâte de tester les pompes, en tout cas, pour voir si ça fait mal. Et donc voilà, logiquement, la durabilité des gilets pare-balles a été convertie à la durabilité totale des plaques d'armure installées, ajoutant à cela l'armure en fait intégrée directement au porte-plaque, c'est-à-dire le tissu du gilet, le support du gilet si vous préférez, qui peut être aussi fait de matériaux qui tankent, des protections aussi du coup supplémentaires. A été ajouté aussi un collier de protection hein, qui protège la zone du cou,
qui marche d'ailleurs sur un large éventail de gilets pare-balles. Hein. Il n'y avait pas cette protection disponible auparavant, il n'y avait qu'un casque qui avait un bas-volet pour protéger ça. Mais c'est vrai que visuellement maintenant, on a une nouvelle hitbox au niveau du cou et de la gorge, et donc du coup on va avoir tout simplement de la protection avec ce nouveau collier de protection. Pour ce qui est du coût, du poids et des pénalités des gilets pare-balles, ça a été ajusté. Voilà, le but ça va être un petit peu d'avoir très peu de changements par rapport au wipe dernier en prenant tout en compte. Ça va bien sûr être corrigé, mais certaines pénalités ont été déplacées aux plaques balistiques dans un souci de réalisme. Le but est toujours d'avoir un équilibre en termes de poids et de pénalités par rapport aux changements qu'on a vus avant le wipe. Que ce soit pas forcément non plus le jour et la nuit de jouer une armure par rapport à une autre. Et ensuite, de l'armure intégrée a été bien sûr ajoutée aussi à un grand nombre de casques. La durabilité des casques a été convertie en durabilité de l'armure intégrée au casque, comme pour les gilets pare-balles pour le coup, comme les gilets pare-balles qui supportent les plaques, ils ont eux-mêmes une durabilité intégrée. C'est quoi du coup là ces armures intégrées pour les gilets pare-balles et les casques ? Eh bien, il s'agit de la protection des armures et des casques qui est divisée actuellement en zones distinctes en fonction de quelle zone et section ils protègent. Les zones d'armure intégrées ont leur propre durabilité séparée. Par exemple, vous pouvez maintenant réduire la durabilité d'une armure du torse de votre adversaire sans endommager la durabilité des autres zones. C'est assez logique hein, pour le coup. Là où vous tirez, les dégâts sont faits. Et ça c'est plutôt logique qu'il n'y ait pas de dégâts faits ailleurs. Dans la fenêtre d'inspection maintenant, vous pouvez voir exactement quelles zones de la veste ou du casque sont protégées et quel est leur indice de durabilité. Je le répète, car c'est logique, hein, mais les zones protégées sur vos protections correspondent à ce qui est protégé sur votre personnage en jeu. L'armure intégrée ne peut pas être enlevée ni remplacée d'ailleurs, car je le rappelle qu'il s'agit de la structure en tissu de votre gilet et non des plaques de protection qui y sont glissées. Chaque armure intégrée a ses propres paramètres spécifiques, durabilité, matériaux, absorption des dégâts, paramètres de ricochet et type d'armure. L'armure intégrée est affectée par les compétences armure légère et armure lourde selon le type d'armure, comme pour les plaques, tout simplement, vraiment, vous avez vraiment maintenant deux protections différentes. D'ailleurs, vous savez quoi, on va récapituler, parce que c'est pas forcément simple à comprendre, et même moi, c'était compliqué de vous faire quelque chose de clair. Sur les protections maintenant, que ce soit casque ou pare-balles, vous avez des plaques qui peuvent être remplacées. Mais vous avez aussi la structure du gilet ou du casque, qui elle ne peut pas être remplacée, mais voilà, qui protège quand même, qui offre de la protection avec différents matériaux. Cela s'appelle l'armure intégrée. Cette dernière, elle possède aussi une durabilité, comme les plaques, et des fois il faudra changer les plaques de protection, mais des fois c'est le gilet tout entier qu'il faudra changer. Vous pourrez bien sûr garder les plaques qui sont encore bonnes dans ce porte-plaques, mais voilà. Si vous avez des trous partout dans le tissu, au bout d'un moment, votre gilet va tomber en lambeaux, il ne sera plus utilisable. Parlons rapidement d'équilibre. Le paramètre de dégâts des différents matériaux d'armure a été ajusté pour refléter les nouvelles valeurs de durabilité, comme dit précédemment. Le but est d'avoir un jeu toujours aussi équilibré. Parlons maintenant réparation. Lors de la réparation des gilets pare-balles, la durabilité est distribuée selon les priorités suivantes. Pour les plaques balistiques, ce sera d'abord le thorax, puis le dos, puis les côtés. Et ensuite, pour l'armure intégrée, ce sera d'abord le thorax, puis le cou, puis le dos, puis le bassin, puis les côtes, et enfin le reste. Vous pouvez aussi réparer les plaques balistiques séparément, une par une, si le cœur vous en dit. Lors des réparations des casques, la durabilité est distribuée selon les priorités suivantes. Pour l'armure intégrée, c'est donc le visage, le haut, les yeux, la mâchoire, l'arrière et la nuque. Les armures intégrées peuvent recevoir du coup une amélioration lorsqu'elles sont réparées, tout comme les armures normales, donc des pare-balles. Comme on l'a dit, ça touche vraiment les deux compétences que sont armure lourde et armure légère. D'ailleurs, en parlant de ça, les chances qu'une armure reçoive des améliorations communes et rares pendant sa réparation ont été augmentées par rapport au wipe dernier. J'espère pouvoir monter un petit peu cette compétence, parce qu'au final, ça permet de tanker plus. Au niveau de l'interface, vous pouvez maintenant voir la durabilité des différentes zones d'armure et des plaques balistiques en survolant l'indice de durabilité de la veste ou d'un casque. Vous avez marqué 320 sur 800 par exemple, vous passez votre souris dessus et ça va vous marquer du coup, de manière générale, en fait, tous les détails de la durabilité des différentes parties de cette armure. Cela fonctionne également bien sûr sur les offres du marché Opus afin de ne pas avoir sur le flip en fait à chercher les différents détails de cet élément qui sont au final cruciaux. Vous pouvez, cela dit, bien sûr toujours regarder dans la fenêtre d'inspection les détails des plaques balistiques et des armures intégrées en faisant un double clic dessus ou clic droit inspecter. La classe d'armure est donc désormais affichée avec une icône en chiffres romains sur le côté de la plaque, balistique, hein, et donc voilà, c'est tout simplement dans la liste de classes d'armure aussi. Mais voilà, maintenant vous avez vraiment rapidement des indices visuels qui vous permettent de savoir
le gilet. Eh bien, qu'est-ce qu'il a comme protection? Au niveau du marché aux puces et des échanges, donc les restrictions du flea market ont été supprimées pour un large éventail de gilets pare-balles, car avant, bah, certains pare-balles étaient restreints car trop méta pour être disponibles à l'infini sur le flea, comme les Sleek ou les autres classes 5 et 6 par exemple. Maintenant, vous y avez accès, mais sans les plaques, parce que les plaques 5 et 6 sont donc des plaques de protection de classe trop supérieure, trop bonnes pour être vendues sur le flea market. C'est un peu la même chose, sauf que maintenant, vous allez pouvoir acheter, par exemple, une connerie, mais une Sleek et lui mettre une classe 4 dedans, par exemple. Mais vous ne pourrez pas acheter ou vendre des classes 5 et 6, que sont donc les protections par balles. Évidemment, il y a des plaques d'armure qui ont été ajoutées aux inventaires de plusieurs marchands, et plus vous augmenterez vos marchands, plus vous débloquerez des plaques de protection de classe supérieure. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est très compliqué de vous l'expliquer comme ça, parce que quand je fais cette vidéo, le jeu était full crash. Je sais pas si je pourrais vous mettre des beaux visuels dessus, en tout cas. Excusez-moi, ils ont mis du temps à relancer leur Tarkov du coup directement. Je pense qu'on a peut-être subi ça aussi. Mais en tout cas, j'espère que ce petit guide-là sur les plaques et la nouvelle hitbox vous aura plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À la plus. Ciao, ciao.